Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, les amis. Aujourd'hui, petite vidéo où je vous parle de Call of Duty Modern Warfare. Actuellement, je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez voir cette vidéo, vous allez dire mais c'est quoi cette connerie, pourquoi ce style de personne hack un jeu à plus de 70€ pour eux et 200€ pour moi. Comme vous êtes au courant, sur une de mes vidéos, j'ai partagé mon collector unboxing avec mon pote Sofiane. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en parler directement parce que je pense qu'en regardant cette vidéo là, je pense que ça va vous faire rager. On va commencer déjà ensuite d'une vidéo que Monsieur le V12 a partagée sur sa chaîne YouTube. Je vais vous mettre en lien sa vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour comprendre leur point de vue à eux et mon point de vue à moi. Alors je vous demande de rester directement et comme ça au moins vous verrez qu'est-ce qui peut m'énerver sur ce style de jeu. On va commencer par la première partie parce que cette vidéo je l'ai téléchargée sur YouTube. Je ne vais pas mettre sa chaîne YouTube en lien. Je pense que je l'ai cherché pour en faire spécialement une vidéo. Et je remercie Karim et Ipek d'avoir présenté cette vidéo là aujourd'hui. J'espère que votre vidéo sera vue, que ce soit la mienne aussi. Et voilà, allez, je vous dis bonne vidéo à tous et merci de m'avoir suivi. Voilà, à tout de suite. Et me voilà directement les amis, je suis déjà au début de la vidéo. Comme vous êtes en train de voir, vous voyez que le gars est en train d'utiliser l'avion d'attaque. L'avion d'attaque est un engin à plus de 12 kills. Et comme vous êtes en train de voir, vous voyez des joueurs jaunes et des joueurs rouges. Les joueurs rouges, je pense que c'est des ennemis et les joueurs verts, ça soit des alliés. Et regardez comment ça va se passer. Là, vous le voyez directement utiliser un avion d'attaque en mode multijoueur. Ça veut dire que actuellement il n'y a pas que des hackers sur Warzone. Et je pense que Karim t'a oublié de préciser cette petite vidéo. Là actuellement je pense qu'on est en guerre terrestre et que en se comportant comme ça, bah, les gens se comportent assez mal pour essayer de faire une lutte claire ou un truc comme ça. Et moi je pense que c'est quand même dégueulasse de croiser des games comme ça. Je pense que chaque fois je me faisais tuer comme un gros fils de pute et tout. Pardon du mot si je dis des insultes. Mais ça veut dire qu'en vrai de l'autre côté maintenant j'ai bien la preuve physiquement que les gens se comportent assez mal sur cette style de game. Voilà. On va continuer la suite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors voilà, là on le voit qu'il est en Warzone. Et regardez la prochaine game qui va se passer en Warzone. En Warzone, on vient de dire que le multiplateforme se font hacker assez bien rapidement. Là déjà je pense que le joueur est un joueur PC et que maintenant les joueurs PC, je le signale directement. Oui les amis, je pense que des joueurs PC ont hacké leur tour plus le jeu pour avoir une chance de faire des top 1. Voilà. Moi je pense que c'est dégueulasse de croiser comme ça. Même la dernière fois j'ai joué contre des joueurs PC. Bah j'ai joué en mode Warzone sur des joueurs PC. Et quand vous voyez ce style de gameplay, mais vous vous dites mais pourquoi Call of Duty font pas le nécessaire. Déjà avec leurs engins de mort, ADAV et tout, je pense que c'est abusé. En vrai dans tous les Call of Duty, j'ai toujours pensé que toutes les engins de mort qui peuvent nous débloquer, comme les RAPS, l'ADAV, les avions d'attaque, le mastodon, c'est des styles de skin qui sont assez bien shootés, hein, parce que si les gars ils sont là pour camper au maximum et faire des kills, ça va être décevant un peu plus. Voilà. Il y a quand même des parties où je vous verrai couper sur le gameplay parce que je trouve que c'est pas intéressant. Mais voilà, là directement vous pouvez voir que le gars il est en rouge et qu'il peut réussir à les éliminer. Il peut les voir derrière les murs, mais peut-être pas les équipements. Actuellement, les équipements, il les voit pas. Enfin, en même temps, je ne sais pas. Mais voilà, là, vous voyez à côté à sa droite, il a flouté son PSN et de ses amis. Franchement, si tu voulais te faire connaître, mieux que t'ailles à fond, tu vois. Mais je pense que lui, il a pas envie de perdre son compte et que le gars, il a réussi à hacker comme ça. Comment savoir si le gars, il est directement sur PC? Regardez, je vais juste cliquer sur pause maintenant. Et là en bas vous voyez un espèce de B avec tap, ça doit être espace et tout directement. Comme là vous voyez une petite touche en blanc, ça veut dire que le gars joue sur souris clavier. Et après à part s'il a hacké sa PS4, je pense que le gars il a hacké sa tour et que directement il arrive à avoir des styles de jeu
prenant. Des styles de jeu comme ça, ça veut dire qu'en vrai, tous les joueurs PC sont pas tous comme ça. Je vais pas les dire, ouais, vas-y, les joueurs PC, c'est des hackers. Non. Je pense qu'il y a des joueurs PC qui jouent honnête et qui jouent bien sans besoin d'hacker leur tour. Là, il va prendre son fusil d'assaut avec un viseur tank. Ça doit être la. La 4, je crois. J'ai pas une idée en tête, mais voilà. Là, comment il a besoin de son truc. Regardez comment il va réussir à avoir des joueurs. Donc, du moins, si je suis en train de bailler parce que je pense que c'est du lot et je l'ai commencé à travailler depuis ce matin. Voilà. Regardez le prochain niveau. Voilà. Pas besoin de dire, ouais, bah tiens, il va être là. Non. Les gens, ils peuvent l'entendre et je pense qu'au moment, bah, ils vont. Voilà. Ils vont essayer de le faire. C'est quand même abusé parce qu'en plus le gameplay vient d'un la vidéo où j'ai pu le retrouver. C'est pas un espagnol, c'est un anglais déjà. Et quand on voit ça, franchement, je sais pas comment les gens comme ça peuvent jouer à Call of Duty, un jeu à 70€ et à la fin, bah ça. Je pense qu'au moment où vous voyez que la personne ne veut pas, bah, veut pas jouer, ne veut pas jouer normalement, je pense qu'en vrai, soit il se fait frapper par sa famille, ou soit il en a marre de perdre, ou voilà. J'ai envie de partager cette vidéo là pour demander à plusieurs à Call of Duty de faire le nécessaire. Maintenant, vous allez voir qu'on va avancer vers la fin. La vidéo de Monsieur Vidouf directement. Vous aurez un lien sur la chaîne. Voilà. Ah, c'est pas pour dire, mais Call of Duty, je sais pas ce qu'ils foutent quand les gens arrivent à hacker comme ça. Multiplateforme, ça m'a jamais tenté déjà. Parce que même face à Fortnite, depuis qu'ils ont fait le multiplateforme, on est tombé dans des games. Voilà, des gars qui arrivent à jouer. Face à des joueurs PC et des joueurs. Et tout, même s'ils disent que nous on a l'aide à la visée, je pense que même lui il a réussi à l'activer juste pour avoir ça. En plus, je pense que tous ses amis sont connectés. C'est ça qui peut être marrant. Juste un moment à côté, déjà pour petit indice, si vous voulez le trouver, il y a les noms de ses potes qui sont en train de jouer ensemble. Voilà, déjà le gars il a fait un top 1, clairement, en trichant comme ça, et j'ai envie que ça change, hein. Parce que même si maintenant on peut désactiver le multiplateforme, que vous dites en permanence, vous nous le faites rappeler, voulez-vous accepter le multiplateforme? Mais non, on ne veut plus, pourquoi? Parce que de là, ça vous c'est ça, c'est bien des fois de jouer avec ses potes, voilà, pour dire, vas-y, on va se faire des 1v1, des trucs comme ça, mais voilà, pour jouer avec des camps comme ça, c'est un peu dégueulasse. Et franchement, ça se fait. Franchement, de jouer comme ça avec des stupides. Même si là, directement, je pense que dans cette vidéo-là, il y a des gens qui vont dire, ouais, t'es un rageux parce que le gars il a fait un top 1. Mais moi, je vous le garantis que directement sur ma PS4, je n'ai pas hacké ma PS4 pour faire un top 1. Actuellement, j'ai tenté de faire des top 1 en mode uniquement PS4. Il vous garantit que sur PlayStation, j'arrive à, au moins à être soit entre mes meilleurs scores, deuxième et cinquième. Et je vous le garantis hein, que je joue spécialement. Je joue peut-être pas proprement. Des fois, la dernière fois, j'ai éliminé un gars au lance-roquette. Oui, j'ai joué au lance-roquette. Mais j'ai pas hacké. Le gars, il m'a vu. Je l'ai vu. C'est soit lui, soit moi. J'ai joué proprement. Bah putaclic, mais gros bata. Voilà, j'ai joué en mode gros bata. Jouer au lance-roquette, c'est au moins un truc où je suis sûr que le gars il va passer au vivant. Voilà. Voilà. Bon les amis, pour moi ce sera la fin de cette vidéo. Directement, je vais vous mettre en lien la vidéo de MusclePlayer12 et de Pinggeek en commentaire. En bas, en dessous de la vidéo. En description, comme ça si vous voulez la voir, bah, vous pourrez voir leur
style de vidéo à eux. Et voilà. Bah, qu'est-ce qu'ils en pensent et leur point de vue à eux. Voilà. Bon allez, je vous fais des bisous à tous. Merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. Même si ça dure moins de 5 minutes, je crois. Et voilà. Faites que Call of Duty peuvent arrêter, bah, trouver une solution pour ce style de compte. Hein. Parce que je pense qu'en même temps, si le gars, le Warzone est gratuit, juste avant, on avait vu un mode guerre terrestre. Imaginez en guerre terrestre s'il y a des hackers. Ou même en mode multijoueur. On comprend pourquoi les gars, ils débloquent des alaves, des trucs comme ça. Bah, si on trouve qu'il y a des joueurs comme ça maintenant, ça va faire chier. Même des gars, après, je me plains toujours d'un truc, comme les gars qui jouent full MP5. Bah, je pense que voilà, les gars ils sont nuls, ils arriveront jamais à avoir le Dark Maker. Je suis à deux doigts d'avoir les fusils d'assaut en platine, voilà. Les mitraillettes en platine. J'espère que un jour je vais vous faire un live sur mon Dark Maker dès que je l'aurai. Je pense que ce jour-là je serai content et voilà. Bon allez, je vous fais des bisous à tous, je vous dis bonne journée à tous et à bientôt pour des nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez, ciao, bye bye.